Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis en BTS alternance aménagement paysager à Terre d'Horizon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de topographie qui fait partie d'un module qu'il y a dans le BTS. En cours de topographie, on a des cours en salle et à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est sur le terrain. Donc comme vous pouvez le voir derrière, on utilise la lunette optique et la mire parlante. Allez, je vous emmène. Donc je vous présente la lunette optique. La lunette optique, on va l'utiliser du coup sur le terrain pour pouvoir faire des relevés de points de niveau et aussi des relevés de coordonnées polaires par rayonnement. Donc pour placer des points, des allées, des bordures, des choses comme ça. Avec ceci, enfin en regardant dedans, du coup, on va regarder la mire parlante que mon collègue tient plus loin. Dessus, il y a des indications, des chiffres pour avoir des altitudes. Et avec ceci, après, nous, on va pouvoir faire plusieurs calculs pour les distances, les niveaux, tout ça. Et on va pouvoir les replacer sur des logiciels ou sur un plan. Donc, je vous invite à venir voir du coup la mire parlante avec moi. Donc, du coup, je vous présente la mire parlante qui va avec la lunette optique. Donc, en fait, quand on va regarder dans la lunette optique, il va y avoir trois traits qui vont en fait nous indiquer des altitudes. Donc, ça, en gros, ça va être nos altitudes, enfin, pas nos altitudes, mais nos mètres. Donc, là, par exemple, on est à 1,20 m et ça va nous permettre de lire ça, du coup, suivant où on est sur le terrain. Et après, donc, comme je vous disais, on va pouvoir calculer les distances, les niveaux et pouvoir les replacer sur des plans. Donc dans le milieu professionnel, de prendre des niveaux ou des points comme ça avec la lunette optique, ça va nous servir du coup pour pouvoir refaire des plans de jardin et pouvoir par exemple placer des bordures, des massifs, façonner le paysage aussi du coup en faisant des buttes de terre ou des trous, des choses comme ça. C'est fou quand t'es lancé comme ça et que bam, tu sais plus quoi dire après.